Dans le programme de société de la dynamique Restaurer la confiance du duo Kohwe-Agosa, la jeunesse occupe une grande place. À travers plusieurs projets, cette couche juvénile sera au cœur du pouvoir d'État. C'est le message que Irene Agosa, candidat au poste de vice-président, est allé porter aux étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Tout régime qui se met dans une réforme, quelles que soient les réformes, et que cela ne permet pas de créer l'emploi, de lutter contre le sous-emploi, de permettre à ce que la classe moyenne se mette en place. Tout régime qui entame ces réformes est un régime simplement à bannir. Car ces réformes ne sont pas de bonnes réformes. Le Bénin ne peut pas être un pays de sous-emploi. Le Bénin ne peut pas être un pays de chômeurs. Nous avons 200 millions à nourrir, qui ont besoin de services, qui ont besoin de compétences. Nous sommes compétents et nous pouvons le faire. Il suffit de compter sur vous. Il suffit de vous mettre dans les conditions. Il suffit de vous apprécier. Il suffit de vous considérer et vous allez pouvoir vous en sortir. Et pour que cette jeunesse s'en sorte véritablement, Restaurer la confiance a déjà sa thérapie. Nous allons mettre, nous avons mis, dès le lendemain, si nous formons un gouvernement, nous allons faire. Comme les pays anglo-saxons, il y aura les vice-ministres. Et vice-ministres seront les jeunes capables de pouvoir comprendre la gestion de l'État. Ils seront des vice-ministres et qu'ils pourront comprendre ce que c'est que la gestion de l'État. Nous allons prendre 20% des jeunes, femmes et hommes, garçons confondus, pour que vous soyez ainsi considérés. Donc chaque année, et durant 3 ans, il est important que nous ayons des jeunes techniciens supérieurs en numérique, que nous ayons des jeunes ingénieurs en numérique spécialisés. Et dans 3 ans, ça fait que nous aurons une capacité de 45 000. Ces 45 000 ne seront pas seulement mises à la disposition de la fonction publique, ça serait aussi mis à la disposition des structures privées qui ont besoin aujourd'hui d'être modernisé et de pouvoir faire face à la concurrence sous-régionale et internationale. En cas de victoire à l'élection présidentielle du 11 avril prochain, le duo Kohwe-Agosa nourrit de grandes ambitions pour les jeunes béninois. Ces derniers ont été alors invités à voter massivement pour la dynamique Restaurer la confiance.